Mais déglo, déglo, tu dis, s'il vous plaît. On ne peut pas travailler dans le vacarme. Nous venons d'enregistrer une grande victoire. Permettez-nous de jubiler. Permettez-nous de manifester notre joie. Aujourd'hui, le PDG du groupe des médias, le dirigeant du mouvement Gem Sabop, l'administrateur de société, le PDG Bougar Gueïdani est libre de tout mouvement. Le tribunal vient de le relaxer deux fois. Relax au bénéfice du doute pour la rébellion. Relax total pour l'outrage à agent. Mais condamnation deux mois assortie du sursis pour refus d'obtempérer avec 100 000 francs d'amende. On aurait pu le relaxer purement et simplement pour toutes les infractions. C'est notre conviction. Mais au moins, on a gagné parce que le procureur avait demandé trois mois fermes et 500 000 francs d'amende. Cela aurait empêché M. Bougar Gueïdani de se présenter aux élections futures. Parce qu'avec trois mois fermes ou six mois avec sursis, comme on l'a fait avec Sonko, on ne peut pas participer aux élections. Et le procureur voulait que Bougar Gueïdani soit exclu des futures joutes électorales. Donc il y avait quelque part un désir, un souhait, des instructions pour empêcher le président Bougar Gueïdani d'être candidat désormais dans ce pays à des élections organisées, soit pour des législatives, les locales ou la présidentielle. Ce qu'on peut retirer donc, c'est qu'après ce verdict, Bougar Gueïdani va rejoindre son équipe de campagne électorale. C'est vrai que le temps perdu ne peut jamais être rattrapé. Mais il va quand même, après avoir perdu quelques jours, au cours de cette campagne électorale, il va faire ce qu'il sait le mieux, déranger les autres, faire du tipu tank, montrer la vérité aux Sénégalais, dire la vérité en tout temps et en tout lieu. Donc aujourd'hui, 30 octobre 2024, Tamba a vibré. Cette charmante ville, la belle ville de Tambacounda, a vibré au rythme de la vérité, de la dignité, de l'honneur. Et le juge, je veux dire les juges du tribunal de grande instance de Tambacounda, ont essayé de rendre justice, de dire le droit. Et ils ont ordonné la libération immédiate de Bougar Gueïdani. Immédiate. Aujourd'hui, cette nuit même, il doit pouvoir, avec la caravane de l'intercoalition, passer campagne. Et c'est important. Mais parce qu'il est libre, on ne peut plus le retenir dans les liens de la détention. L'homme est désormais libre. Yalla. Yalla ken amul fayam. Allahu Akbar. Dieu est grand. Aux élections.
Et le procureur voulait que Boubacar Guédani soit exclu des futures joutes électorales. Donc il y avait quelque part un désir, un souhait, des instructions pour empêcher le président Boubacar Guédani d'être candidat désormais dans ce pays à des élections organisées, soit pour des législatives, les locales ou la présidentielle. Ce qu'on peut retirer donc, c'est qu'après ce verdict, Boubacar Guédani va rejoindre son équipe de campagne électorale. C'est vrai que le temps perdu ne peut jamais être rattrapé. Mais il va quand même, après avoir perdu quelques jours au cours de cette campagne électorale, il va faire ce qu'il sait le mieux, déranger les autres, faire du tipoutank, montrer la vérité aux Sénégalais, dire la vérité en tout temps et en tout lieu. Donc aujourd'hui, 30 octobre 2024, Tamba a vibré. Cette charmante ville, la belle ville de Tambacounda, a vibré au rythme de la vérité, de la dignité, de l'honneur. Et le juge, je veux dire les juges du tribunal de grande instance de Tambacounda, ont essayé de rendre justice, de dire le droit. Et ils ont ordonné la libération immédiate de Boubacar Guédani. Immédiate. Aujourd'hui, cette nuit même, il doit pouvoir, avec la caravane de l'intercoalition, passer campagne. Et c'est important. Mais parce qu'il est libre, on ne peut plus le retenir dans les liens de la détention. L'homme est désormais libre. Allah, Dieu est grand. Tayi, ku sétanté procès bi dag nan lutax procès am. Li yépp pour li. Té moy gendarme bu ñëw gisuñ ben outrage, kenn waxu ci dara lu ñaaw. Du bogan du ñim andal. Ba tax procureur xawa mer. Ndax mom mo yokon délit bobu bu ñëk la ñaan. Refus d'obtempérer et rébellion. Ci loolu lañ ko laaj mu tontu mu leer nañ xamul lu muy def bi ñëwé Tamba lu bokku ci PV bi procureur ñambass yokku ci outrage agent ban agent ba légui waxu ci kat la xana agent extraterrestre la buñu outragé c'est ridicule bobu tribunal néna relaxé na ci totalement Bougan Guédani ndax gendarmerie ci bopam ñoko satal bam sét wicc rébellion bi néna mom amna doute dara leeru ko ci rébellion té kenn néwul Bougan dafa xéx ak gendarmerie ni duma taxaw dangam dok relaxé nako au bénéfice du doute mom dok li procureur wax juge bi néna toyiko li mo yo procureur li nga topé Bougan ki rébellion doyuma awma ci lu leer dok dafa lendum sama bop relaxé nako au bénéfice du doute kon ñaar yoyu ki ñetti moy bayyi nañ ko ñettel bi bu ne ki refus d'obtempérer moy taxawal nga bañ tej na ko ci 1 mois avec sursis 1 mois avec sursis ak 1 mois avec sursis ak 100000 francs d'amende lolu bi nek ñun d'accord ñi mën nañ ko nango gum ndax day tax Bougan genn mëna fekk ay ñoñam fekk ñobotam gi fekk ñi mbokal coalition yi muy samba sa kaddu muy takku walu intercoalition kon tay Bougan
goudina defena mais goudé goul wara mëna réré ginar wara mëna jot and gañi yëngal gal gi yëngalat gal gi tibou tank dor woné lepp lèr sénégal djëm kanam kon ndam lu réy day lañu am mom la bougane am mom la sénégal am mom le monde bi am nak ñëpp adina bi yëpp ñu ngon déru sénégal kon tambakuna bi ñëwon tambakuna bi ñaka fayene fayene def ak magistrat ñu bëggone sanctionner magistrat ñi dañ leena méré ñom ñi leen tambakuna tay tambakuna gatché ngalamba tamba wara na ni am ay juge de valeur ñu am job